Coucou les filles, on est dimanche, donc j'ai mis mon petit pilo-pilo rebook vintage que j'avais eu sur une brocante. Il est 8h10, tu vas le voir en inversé, toujours le linge qui sèche. Non mais ici, je te jure, à force de faire des recycleries, ça sèche tout le temps, pardon. Je me suis fait ma petite Katy Perry en chat, un petit café. J'ai déjà déjeuné parce que je me suis levée tôt, mais je m'étais un petit peu rendormie du coup parce qu'on va aller marcher avec ma collègue, elle arrive à 9h. Voilà, j'ai un retour Emmaüs à vous montrer aussi, je vous ferai tout ça tout à l'heure, je pense. Et tu vois, là je suis devant Télématin et je te disais que j'avais un retour de. J'ai dit recyclerie ? Non, j'ai bien dit Emmaüs. J'ai trouvé des trucs sympas chez Emmaüs, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis une veste plus cocasse, je vous l'ai montré dans le vlog précédent. Ah oui, il est bien, je cherchais l'étiquette. Et puis là, dans ma petite cuisinette, je suis en train de faire couler un café pour ma collègue. Il faut que je vous en reparle de ce café-là. Tu vois, là, je mets tous mes cafés. C'est une soupière de ma grand-mère. C'est la marque Huitarde. Donc, tu vas sur le site, hein, ça s'écrit comme ça. Et c'est... C'était une boîte en fer à 3 étages. Donc, tu avais cinnamon, pain d'épices... Et puis, il y en avait encore un autre que j'ai déjà fini. Donc, il tue ces cafés. Là, il y a du thé, pareil, qui vient d'Angleterre pour changer. Et j'ai récupéré ça de ma grand-mère, mais il faut absolument que je l'essaye. La Senseo, je sais pas, on a des doutes sur le fait qu'elle marche. Donc, je l'ai nettoyée, puis on verra ça. Parce que le café, c'est la vie. Et un mini cafetière à l'italienne que j'ai eu à la recyclerie. Ça, c'est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Je vous ai déjà fait un retour de ma cuisine. C'est très années 70. Là, tu as le panier de ma grand-mère qu'elle a utilisé tout le temps. Avec une glacière très années 80. 90. Et à l'intérieur, on a une toute verte aussi, mais plus petite. Là, j'ai mis un plat que m'a offert Marjo, mais je l'ai retourné. Pour mettre le plateau à service à étage, là, comme ça. Ça, c'est du service à fondu. Ça, c'est un batteur à main. Oui, il y a beaucoup de vintage ici. Le Manac 75. Là, tu as... Ça vient de chez ma grand-mère. Et ça, c'est une plante que... Ça vient de chez mon père, de sa boutique. Et une plante qui vient de je ne sais où. C'est la mère de mon ex qui m'a offert. Bon, la poubelle. Ça, c'est à mettre à la poubelle aussi. La chaussure en chocolat, je l'ai fait passer ici parce que hier il y avait du soleil qui était dessus, pile dessus dans ma pièce à côté. Ça, ça vient de chez ma grand-mère. Ça, mon père, il me l'a offert dans une brocante. Recyclerie, je le mets comme ça. Je mets un truc à fondu. Non, c'est pas ça là. C'est vraiment. C'est le dessus du truc. Mon meuble en formica. Ça vient de chez mes arrière-grands-parents paternels. Ça, faut que je les mange. Et ça, je l'ai trouvé dans une brocante une fois. Mon bonnet, mes gants sont prêts pour aller me balader. Puis voilà, ça, j'ai récupéré chez ma grand-mère. Recyclerie, grand-mère, nose. Tu vois, ça vient un peu... Désolé, ça fait du bruit, la cafetière qui... Ramasse couvert, finalement, je l'ai mis là avec du thé. Mais je mets ça parce qu'à chaque fois, j'oublie quel est le thé. Donc j'ai... Voilà, puis ce métier. Bon, vous savez que je suis une grande fan de thé et de café. Et ça aujourd'hui, voilà, il faut que je mange tout ça parce que ça commence à faire un peu la tronche. Vraiment que j'arrive à rater ce truc. Je sais pas. Et là, il faut que je renettoie pour la millième fois mon inox. Parce que là, tu vois, j'ai pris de l'eau pour faire du café. Ma smec, ça vient d'une ressourcerie, je pense, à côté. C'était la plage, si j'ai bonne mémoire. Ça, si, ceci dit. Voilà. Ça, je l'ai trouvé sur une vieille voie ferrée abandonnée. C'est écrit SNCF derrière. Ça, je l'ai trouvé hier à Emmaüs. J'ai pas bien nettoyé les traces de doigts. Et ça, sur une brocante. Voilà. Et voilà. Tout ça, c'est chiné, hein, quasi. Enfin, non, ça, c'est ma grand-mère. En fait, c'est pas chiné, c'est ma grand-mère. Ça, je l'ai trouvé sur un trottoir dans un carton où il y avait tout le service. Donc, je l'avais pris, j'avais partagé. Recyclerie, magnifique plateau des îles. Et ça, c'est ma collègue qui me l'a donné.
Je devais le repeindre et finalement je l'ai laissé bleu parce que je le trouve sympa. Voilà le petit room tour de ma cuisine. Parce qu'à chaque fois je dis je vais faire des room tours et je le fais jamais, donc du coup voilà. C'est un peu le bazar hein, le fait que j'ai fait des recycleries et des Emmaüs et que j'ai pas encore filmé. Alors du coup dans ma pièce YouTube, allez, ta Rose elle commence à faire la tête. Il y a tout ça à vous filmer d'une recyclerie de la semaine dernière. Ça, il faut que je le porte dans un look. La maison de poupée. Tous mes manteaux achetés ou chinés ou récupérés. Ça, c'est en vente sur les ventes de Barbie. Ça, il faut que je fasse des looks avec. Et ça, c'est sur les ventes de Barbie. Donc, tu vois, et mes nouvelles Doc Martens magnifiques. Donc, voilà. Et moi, j'ai mis... Oh, bah là, tu vois que ça brille aussi, mais c'est mes vieilles. Hug Swarovski, tu vois, je t'avais dit, j'avais fait un trou. J'espère que c'est pas trop humide en forêt. Mais hier, j'avais mis des Hunter, des bois de pluie. Elles m'ont fait trop mal aux pieds. Donc là, du coup, ma tenue pour marcher. Oui, je suis désolée. Fais ce qu'on peut. Et je pense que ma mission, là, peut-être... Ouh ! C'est bon. Peut-être ce serait de trier cette armoire... Je pense, je vais trier cette armoire et puis la re-ranger. Je pense du coup avec vous dans les vlogs du coup. Je te mets en grand angle, regarde en grand angle, comme c'est beau. Voilà, donc je pense qu'on fera ça dans un vlog, je pense. Si j'oublie pas de vous le filmer. Bon, je vous retrouve tout à l'heure en balade. On va aller se boire un petit café, se remanger un petit soja sun ou deux. Se donner des forces quoi. À tout à l'heure. Petite vidéo. Une heure. Ah ouais! En 6 heures, peut-être pas, Clairette. Non, on va éviter les deux. Circuit de la les montagne. Trois dernières, on va éviter. On va se caler sur les trois. 12 heures! Facile. On peut quand même. Du bois des mains quand toi, c'est ça. On peut quand même aller sur les chemins, tu crois? Oh, bah, il y en a un là. Nickel. Oh, nickel. Oh, c'est trop bien. Elle s'émerveille un peu de tout, tu sais. C'est tellement rare maintenant le vent. Grave. C'est vrai que c'est une belle petite plante, c'est quoi ce truc? Je trouve que la nature, c'est tellement trop beau. Ah, il faut pas. Là, on est bien dans la campagne, ma Clairette. Hein. Alors, on essaie celui des carrières ou celui des châteaux? Ah, il y a des carrières on ici aussi. On peut faire celui des châteaux. Vas-y, celui comme des châteaux. Il sera pas dans la forêt.
Du coup, je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé à la Cour des Marques. Et j'ai trouvé ça. J'ai enlevé déjà le prix. Pour mon père, c'est des gants Torrente. À la base, regarde, tu as le prix 19,90. Donc là, tu es dans le dégriffé. Donc souvent, il y a les mêmes marques hein, dans les trucs de dégriffe comme ça. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ça, c'est pour moi. Même si c'est pour homme, moi, je les aime beaucoup. J'en avais eu une paire comme ça, les Pierre Cardin. Vous savez que j'adore Pierre Cardin. J'en avais eu chez Nose, mais elles sont déglingos à force, tu sais. Donc, comme ça, ça renouvelle. Pour ma mère, j'ai pris les mêmes que j'avais la dernière fois. Pour moi, la marque, c'est ça, c'est 17 jeans. Alors, tu as le prix 9,90 de base, mais là, évidemment, c'est un petit peu moins cher. 36,42. Et j'en ai pris deux paires pour moi. Parce qu'elles sont hyper, hyper, hyper moelleuses. Et pour les périodes de Noël, en plus pour faire des petites photos Insta et tout ça. Et elles montent bien, elles sont hyper agréables à porter. Celles-ci, elles sont trop belles. Donc, voili, voilou, je vous emmène maintenant. Alors, je voulais aller acheter du pain d'épices. Mais du coup, je le ferai peut-être plus tôt dans la semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Sinon, je vais aller faire un petit tour en bibliothèque partagée. Il y en a une qui n'est pas très loin de chez moi, je crois, 5 minutes de route. Et je vais aller voir s'ils ont des petites choses en bibliothèque partagée. Voilà, j'ai envie de lire. J'ai plein de livres, hein, mais je les file tout le temps. Et du coup, après, je me retrouve, je n'ai plus de livres. J'y vais. Oh ouais, je suis ni maquillée ni rien du tout. Hein. Je vais peut-être me remaquiller quand même demain. Parce que demain, je vais aller voir Marjo. Donc, vous verrez Marjo dans le vlog. Voilà. Donc, tu vois, dans l'ancienne cabine téléphonique. Ici, dans le village de Genvry, n'est-ce pas? Ils ont fait une bibliothèque. Oui, ils appellent ça bibliothèque de rue. Une bibliothèque partagée, comme tu veux. Puis t'as... Voilà. Je crois que c'est les habitants qui font des trucs comme ça. Et là, tu vois, t'as le... T'as l'église, quoi. Et je trouve ça hyper stylé comme idée, quoi. Donc, si des fois, t'as des livres que tu veux ramener ou autre, bon, elle est pas hyper fournie parce que c'est vraiment un tout petit village. Mais tu vois, des fois, t'as des trucs pour les enfants. Moi, je sais que j'ai déjà trouvé des livres pour mes élèves, tu vois. Le voleur de couleurs, bah, ça doit être pas mal. Voilà, t'as un truc, mes histoires en musique. Bon, là, bien sûr, t'as plus la musique, mais voilà, tu vois, t'as des trucs. Rendez-vous avec le danger. Tu vois, bon. Après, il faut aimer lire, hein, c'est comme tout. Donc là, je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis, je vous dirai si j'ai trouvé des choses. Voilà. J'ai pris pour ma mère des criminels, enfin des détectives, pas des criminels. J'ai pris celui-ci et celui-ci. Comme ça, quand on aura fini, on le remettra. Bon, je pense que je viendrai le remettre ici parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres. Des bibliothèques partagées vraiment, vraiment très proches de nous. Ça, j'ai pris pour un petit garçon de l'école parce que c'est des petites bandes dessinées. Je pense que ça lui plaira. Pour ma classe, tu vois, il y a vraiment... Oh, attends. Oh, la comtesse de Ségur, quoi. Heidi. Enfin, pour ma classe, je pense que vraiment pour les lecteurs de fin d'année, quoi. Vraiment pour les bons lecteurs de fin d'année, parce que c'est un petit peu, je pense, plus pour moi, en fait, celui-là. Pour le côté hyper vintage du truc et la comtesse de Ségur, je le mettrai dans ma classe. Il conseille quel âge? Il n'y a pas un âge? Non. Normalement, il y a peut-être un petit âge, non? À partir de quel âge on peut lire? Non, c'était pas écrit derrière, avant c'était écrit ici. Bon, écoute, je le remettrai dans la bibliothèque. Ça aussi. Le voleur de couleurs. Je vois de quoi il retourne. Oh, ça, ça va leur plaire. Et puis, qu'est-ce que... Alors, ça, c'est pour moi. Bon, je lis et je file ou je remets, hein. Alors, c'est pas très gay. Traduit de... Voilà. Histoire d'un Allemand. Voilà. Celui qui veut faire un petit arrêt sur image. Et... Verdun. Oui, bon, je lis pas les trucs. Georges Blond. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas. Hein, c'est franchement bien le concept. Tu lis, tu reviens, tu viens remettre, t'en reprends un autre. Enfin, c'est comme une bibliothèque, en fait. Hein. Donc, voili, voilou. Alors les filles, je commence tout de suite avec ce que j'ai trouvé. T'as les traces de mes lunettes. En recyclerie hier. Oui, je porte un bonnet à l'intérieur de ma maison parce que je viens de rentrer. Je me suis dit, il faut absolument
que je termine ce vlog par le retour Emmaüs. Donc, j'ai trouvé cette immensissime, regarde pas, bon, j'ai déjà une grosse teuté, hein. Affiche, la vache qui rit. Elle était en déco, en fait, chez Emmaüs. Et puis, j'ai demandé si on pouvait la décrocher. Je vous l'avais montré sur Instagram, mais je ne sais pas si vous avez Instagram. Si vous avez Instagram, rejoignez-moi sur Instagram. Et en plus, j'ai les ventes de Barbie sur Instagram, où je vends des choses. J'ai trouvé déjà, pour te dire, cette magnifique veste avec des petites rayures rose pâle. Elle est grise, c'est une Kenzo. C'est pour homme. Taille 52. Oui, bah, ça fait grand, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Toujours les trucs en quinconce à la Caro. Mais franchement, je la trouvais trop jolie. J'ai pas pu passer à côté de ça. Voilà. Oh, je remarque que j'ai fait des taches. Mais ça, c'est quand j'étais en balade ce matin. J'ai changé le haut. Je me suis mis un petit coup de frais. J'ai changé le haut. Et je me suis dit, oh, bah, laisse le jogging. Ça va. Il est pas sale. Si, si. Si, si. Quand même, là. Comment j'ai fait pour me salir là alors que je marche avec une douzou longue? Va savoir. J'ai trouvé. Attends, j'essaie de te mettre quand même le sapin, tout ça, tu vois, pour faire un petit. Un petit look, quoi, un petit background. Ça, je l'ai eu dans recyclerie, si vous vous demandez, dans les portes ouvertes de la recyclerie de Marly-les-Compiègnes cet été. Peut-être que je fais des phrases un petit peu trop longues. Je l'ai trouvé vraiment à la fin, mais je me suis dit, mais prends-le. J'ai déjà un oreiller qui a été recyclé, hein, vraiment, là, on est vraiment sur le principe de la recyclerie. À l'intérieur, tu as plein de morceaux de tissu de vieux vêtements. Et cet d'oreiller que je suis sûre avoir eu quand j'étais plus jeune. Je pense qu'on est dans les années 90. Je suis pute. Parce que c'est quand même la nouvelle écriture Barbie. C'est plus l'écriture vraiment Barbie style avec le B en attaché, tout ça. En majuscule. Donc je pense qu'on est déjà en début 90. C'est dans ma chambre où il y a toutes mes peluches. Vous savez, j'ai une commode où j'ai mis toutes mes peluches Winnie l'ourson. Oui, j'ai 3 ans. Je vais le mettre avec. Mais je vais le laver, je pense, avant. J'ai trouvé ceci. Un magnifique sac à main Ted Lapidus. Alors, il est un petit peu craquelé, mais c'est pas très grave. On va lui mettre un petit peu d'huile pour le ressourcer. Je pense que ce truc-là qui est au milieu, je vais le couper. Comme ça, j'aurai un grand compartiment. Et alors, parce que vous savez que dans les vieux sacs à main, on trouve toujours des trucs. J'ai trouvé des vieux cure-dents emballés. Oui. Mais j'étais morte de rire parce que... Enfin, morte de rire. Non, pas vraiment mort de rire, mais... Parce qu'en fait, tu vois, t'as vraiment... Ça devait être les premiers trucs comme ça. Hein. Tu vois, cure-dent, je sais pas si tu vois, favor. Et là, c'est écrit modèle déposé. Mais ça devait vraiment être les premiers cure-dents en plastique, quoi. Mais l'emballage fait vraiment vieillot. Hein. Donc voilà, un beau sac à main, noir en plus. Franchement, en plus, la taille est belle, donc je vais déjà le nettoyer et je vais le prendre pour demain parce que là, ces jours-ci, j'ai pris celui-ci que j'avais eu dans une brocante qui est un paquetage. Si je vais chez Marjo et qu'on va en balade ou en visite ou quoi, c'est bien d'avoir les mains libres. Surtout que moi, j'achète toujours 250 000 trucs, donc j'ai besoin vraiment. Et n'oublie pas, Caro, un sac shopping. Parce qu'à chaque fois que je vais chez Marjo, je lui pique ses sacs shopping. Tiens, c'est dur à dire. Et voilà. J'ai trouvé, bon bah là je l'ai pris, West Germany, parce que c'est de là où vient ma grand-mère, donc j'ai plein, mais je ne trouve que des trucs qui me font penser à ma grand-mère en ce moment. Bibliothèque partagée tout à l'heure, je me dis, ma copine Jamila me dit, c'est Dieu qui t'envoie des signes, et s'il t'envoie des signes, c'est qu'il t'aime. Merci, parce que cette année, tu m'as mise à rude épreuve quand même. D'ailleurs, je vais lui envoyer la photo à Jamila, je vais juste lui envoyer la photo, parce que le vlog, il sera pas encore en ligne, juste pour voir ce qu'elle va me dire. J'ai pas me dit, oh, c'est Dieu qui t'envoie un dessin. Eh ben oui, toujours. Voilà. Ça, je l'avais eu quand on était avec Pierre. À l'intérieur, t'as des... T'as, je sais plus ce que t'as d'ailleurs, du thé ou je sais plus quoi. Un marché de Noël en Allemagne. Donc, je sais plus trop ce que t'as à l'intérieur, des petits chocolats et tout. T'achètes et après, il te reste ça en souvenir, tu vois. Et j'en avais un, mais je crois que c'est Pierre qui a dû le garder. Oui, il avait dû le garder. C'était par 4. Mais là, j'ai dit à ma mère... C'était obligé de prendre les 4 en fait, tu vois. T'as encore le prix. Je les ai trouvés, mais juste magnifiques. Je les ai vus, mais je les ai pris direct. Et en plus, il y a une signature. Il y a une signature. Alors, je sais pas si tu verras bien. C'est écrit Georges, je crois. Georges Briard.
Donc j'ai dit à ma mère, si tu les veux pas, les deux autres seront pour Marjo, parce que moi je garde pas quatre verres. Elle me dit, mais si t'en casses, mais non, mais là, là-dedans, c'est plein de verres en tout genre. Donc non, maman, non, je ne les prends que par deux d'habitude. Ou même en principe, en général, je les prends par un. Mais là, c'était un set de quatre. D'ailleurs, je vais les mettre par terre, parce que j'ai un petit peu peur. Alors ça, trop magnifique, mais j'avais pas vu. Ou alors, est-ce que c'est moi dans le transport? Parce que j'avais l'impression, vraiment, pas l'impression d'avoir vu que là, il y avait une petite... ça, c'est, tu vois, là, normalement, c'est accroché. Donc, je ne sais pas si je vais essayer de faire passer un fil de pêche ou quelque chose comme ça. Derrière, quoi. C'est vraiment le petit sac d'été vintage. Là, je pense qu'on peut clairement être dans les années 70. Dites-moi ce que vous en pensez, mais le petit truc tressé comme ça, enfin, je ne sais pas, en osier, on dirait. Je dirais vraiment de l'osier. Non? Mes chaises. Ça, vous l'avez vu dans le vlog d'hier. J'étais obligée. Quelqu'un peut me dire où j'étais hier soir? Mais c'est trop rigolo. C'est con, mais c'est rigolo. On est chez qui? Oh, Secret Messages. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Ok. OWK. C'est pas qui habille ça? Made in Crète. D'accord. Pareil. Le truc con, mais ça m'a fait marrer. Ronaldo et Messi. Tu vois, Made in Crète, je reconnais pas la marque. Au début, je crois que c'était écrit Célio, mais non. Non, il y a un lion, et puis là, il y a un petit lion qui se tient sur ses pattes arrière. Donc, non. Alors ça, franchement, au départ, j'avais pas vu que c'était Deadpool. Je me dis, wouh, hein, il avait l'air bien neuf en plus. Je me suis dit, un high school jacket, tu vois. Un teddy coat, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et en plus d'être impeccable, molleton, Marvel, je m'en fous, franchement, XL. Je me suis même dit, mais regarde bien qu'il y en a un qui va vouloir me le racheter, un fan de Marvel. Je sais que je l'ai juste trouvé beau, quoi. Parce que vous savez que j'aime beaucoup ce genre de teddy coat, là. Oui, j'appelle ça comme ça. Donc, je vais le laver. Il y a une petite tache, on s'en fout. Mais en plus, regarde-moi le molleton à l'intérieur, quoi. Avec le rouge vif. Franchement, il est trop beau. Mais qui a pu donner un truc pareil? Sans décoller, il est trop beau. Alors, j'avais pas vu tellement ça brillait bien qu'il manque des petits strass. Mais bon, est-ce que c'est grave à ce prix-là? Guess. Il y a encore le petit truc. Taille XL. Ok, guess. Taille XL. Bon, en tout cas, il y a toujours pas mal de paillettes, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de strass qui manquent. Tu vois, genre là, il y a trois strass qui manquent. Et franchement, je l'avais pas vu. C'était tellement bien brillant. Donc celui-là, je vais bien le nettoyer pour l'été. Parce que ça, je sais pas, les t-shirts que je mets l'hiver. Et je l'ai trouvé vraiment joli. Non, mais XL. Je trouvais vraiment joli. Et puis alors celui-là que vous voyez aussi sur le vlog. Je sais pas. Tout ça peut venir. Si, surtout, n'hésitez pas si vous reconnaissez des étiquettes ou quoi. J'aime toujours bien savoir la provenance et l'année. J'ai un truc, j'aime bien savoir dater mes objets. Je l'ai trouvé hyper sympa. Ma mère, elle m'en avait acheté un dans un magasin l'autre jour. Le magasin Snipes. Elle m'avait acheté, je ne sais plus d'ailleurs, la marque du truc. Et il y avait des, pareil, des citrons, je crois, ou des oranges dessus. J'ai aimé. Lemon Haze. Je trouvais ça sympa. C'est une marque de vaisselle, je pense, ou d'accessoires de table, on peut dire ça comme ça. Et ma grand-mère, quand on a vidé sa maison, il y avait ça. Alors, je sais. Et c'est une marque qui vient d'Angleterre, tu vois. C'est écrit Made in UK. Au début, je me suis dit, oh! En plus, ça sonne vraiment, on est vraiment, je pense, dans les années 70 ou 80. Vu l'emballage, moi, je dirais même 70 au final. Bon, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, hein. C'est pas années 90, ça, du tout. Le... Et en fait, j'ai ouvert. Et ça, et je me dis, je vois l'image et je me dis, Dedham Lock and Mill. Mm-hmm. Je me dis, on dirait un truc anglais. Et après, je vois ça, Hampstead Heath. Alors, je ne sais pas si c'est un village que j'ai traversé en Angleterre ou... Bah, de toute façon, quand il y a Heath, en principe, c'est un village anglais. Et je me dis, mais non. By John Constable. Donc, Constable qui... Ou le... Constable, hein, si tu préfères Constable. On te dit Constable, ma bonne amie. Tu vois, il est là. Donc, c'est certainement un peintre, John Constable. Et ce sont des vues anglaises. Salisbury Cathedral. Tu vois? Boat building near Flatford.
flat food meal. Parce qu'ils parlent comme ça, ils ont dit flat food. Et là, c'est flat food meal. Mais c'est un moulin, non? C'est pas ça? Y a-t-il un moulin? Y a-t-il un moulin? Et je me suis dit, mais... Oh! Mais trop bien! Non, mais ça, si c'est pas un signe... Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble quand même à un placemat. Oh, putain, je trouve plus mes mots en français, quoi. Un set de table? Mais c'est pas un dessous de verre? Voilà. Et du coup, quand j'ai regardé en rentrant... Ils disent que ce sont des dessous de plat destinés à ajouter cette dernière retouche essentielle à la composition de votre table. Cependant, ils ne sont pas seulement décoratifs, ils sont aussi utiles. Ils protègent le vernis de votre table des marques... Ouais, les tables vernis, ouais, on est dans les années 70, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. La surface résistera à la graisse, aux acides de jus de fruits et à l'alcool. Et la résistance à la chaleur est grande. Jusqu'à 180 degrés Fahrenheit, bien sûr. Donc là, il te précise 82 degrés, 83 Celsius. En le nettoyant avec une éponge humide, préalablement trempée dans l'eau savonneuse. On peut garder la surface claire et brillante en le frottant légèrement avec de la cire liquide et en faisant briller avec un chiffon sec. Oh non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est marrant. Même l'explication, elle fait vieille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bah donc ça, c'est vraiment collector, collector, collector. Et ils appellent ça dessous de plat inifugé et intachable. Et ma grand-mère, je pense que elle, ce qu'elle avait de cette marque, qui s'appelle Clover Leaf, mais je crois que j'en ai déjà trouvé aussi à la recyclerie. Pardon, hein, je fais comme chez moi, je me gratte et tout. Je pense que c'est des trucs qu'elle achetait dans la boutique anglaise à Compiègne. Il y avait une boutique, je ne sais pas si elle existe encore. Tout ça pour dire rien de... Je me perds un peu dans mes explications. Vous voyez comme je suis emportée quand on parle de l'Angleterre, mais j'ai l'impression que c'est mon village d'enfance, quoi. Pays d'enfance. Et d'ailleurs, quand je vais faire les boutiques, je prends mon sac Anne Doré Made in France, tissu en PVC que j'ai trouvé chez ma grand-mère et que j'ai tout de suite embarqué. Mon père, il m'a dit, oh, Caro, un sac pour toi. Il est génialissime pour faire les boutiques, les courses, tout ça. Il est, regarde, l'ouverture et tout. Mais ma grand-mère, elle devait avoir ça depuis des années. J'aime trop. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog numéro 2 vous aura plu. Dites-moi si je continue ou pas. Je pense qu'il sera en ligne du coup lundi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Oh, ça va être long en fait. J'ai trop blablaté. Ciao les filles et les garçons.